Salut les vapeurs, Sarah de retour, comment allez-vous bien? Moi ça va, mercredi 7 octobre, 12h29 minutes et 2 secondes, 2015, on m'a dit de préciser l'année, c'est vrai, maintenant que je fais des reviews depuis plusieurs années, ça peut être utile. Souvent les gens regardent des vieilles vidéos et posent des questions sur des matos qui est plus du tout d'actualité ou etc. J'ai même encore des mails pour le concours des jus récemment fait sur mon Facebook, bref. Review matos aujourd'hui, je vais redripper un petit peu de Bava Nuts, de Frenchy Fog, premier jus de Frenchy Fog. Excellent petit jus gourmand, vanillé, bavaroisé, amandé, noîté, excellent, très bon, bravo Mathieu. Review matos sur un dripper aujourd'hui, et oui, encore un dripper, j'en ai plein à faire en plus. Dripper philippin pour changer un petit peu des américaneries. Le Mirage Evo, Mirage V3, j'avais review il y a 3 mois le Mirage V2. Qui était un très bon dripper. Ici, le V3 est encore meilleur, une grosse innovation. Lancé au Vape Expo pour la France, je l'ai depuis un mois. Et je l'utilise beaucoup et je l'aime beaucoup. Grosse innovation au niveau de Cyclope ajoutée, mais qui sont fermés. What the fuck? Et quel est ce gap disgracieux dans le top cap? Quand on aspire, la valve remonte et libère toute la saveur et la vapeur prise dans son dôme en dessous. Excellent. On n'est pas forcé d'utiliser. Si on ferme à fond le top cap, avec un filetage juste excellent, on ferme les cyclopes et on utilise l'airflow control, l'airflow ghost par la petite fente en bas ici, comme le V2, pour une meilleure saveur, mais on peut ouvrir un tout petit peu pour améliorer les saveurs, et on peut ouvrir carrément plus pour libérer les cyclopes à l'aspiration. Et faire de plus gros clods. Franchement, une belle réussite. Allez Joe, thank you, allez Joe. Coucou mon poteau. Vraiment une belle pièce. On va voir tout de suite tout ça en gros plan. C'est parti, c'est parti. Yes les Vapers. Donc nous voilà en gros plan sur le Mirage V3, appelé Mirage Evo EVO. Pour un Enhanced Valve Optimizer, Enhanced Valve Optimizer, ce qui veut dire valve avancée optimisée. Bref, Evo, EVO. Mon petit matos pour le cotonnage, j'ai déjà fait un montage, on va déplacer tout ça pour le moment. La box pour le plugger. Donc déjà, il arrive, j'ai pas perdu la boîte cette fois-ci. Dans une petite boîte imprimée 3D, petite touche sympathique je trouve. Le premier arrivait dans un... Enfin le V2 arrivait dans une boîte genre Tupperware que j'avais paumée. Ici on a une petite boîte à clapet coulissant, à porte coulissante, imprimée 3D. Nice touch, avec une petite mousse au fond. A savoir que moi, Allegio me l'a envoyé très vite après production, encore une fois, donc j'ai une pièce qui manque. Qu'il ne m'a pas mis, c'est un adaptateur pour mettre un drip type 510 de son choix, pièce que je ne pourrais donc pas vous montrer, sinon comme sur le V2, je crois qu'il n'y a pas de ring en spare, ni de vis en spare, mais à vérifier. Donc jolie boîte 3D, bon, un peu brute comme ça, avec le M de Mirage, et le 1 de AB1, enfin bref, leur logo Mirage quoi. Sympathique.
Ensuite, l'engin en lui-même. Ici, mise au point, le top cap avec le drip tip proprio, le baril, la valve, la base et la petite bague du bas. Donc beaucoup de choses en commun avec le V2 hein, que j'avais déjà présenté. D'ailleurs, je mettrai ici le petit i avec ma review précédente pour ceux que ça intéresse, où j'allais sûrement un peu plus en profondeur sur, je crois qu'il y avait un montage, enfin je sais pas, j'ai pas rematé. Voilà, je mettrai le lien. On va zoomer un petit peu. Et on va partir sur le top cap. Donc le V2 arrivait comme ça. Tout ça n'était qu'une pièce. Le top cap, il n'y avait pas de cyclope, donc grosse nouveauté, deux cyclopes sur les côtés. Sinon, niveau design, c'est sensiblement le même que le V2. Juste le drip tip qui a été revu niveau design et qui est à mon sens beaucoup plus sexy. Même si le drip tip du V2 était sympa avec sa forme de punaise. J'avais montré une punaise, c'était un peu cette forme-là. En plus gros, évidemment, et plus bold. Je ne l'ai plus sous la main là, donc je pourrais pas vous le montrer, vous le verrez dans la review linkée ici. Voilà, drip tip beaucoup plus sexy. Avec des courbes plus arrondies, très sympa, toujours pas mal ouvert. D'ailleurs, j'ai pas mesuré, mais ça doit être toujours ouvert de 11, je crois, de mémoire. Non, pas de 11. En tout cas, celui-là est ouvert de 8,67. Parfaitement droit, de haut en bas. Donc, grosse ouverture. Toujours un drip tip sur lequel on peut plugger, si on veut, un drip tip au bout. Parfaitement compatible. Ici, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. Mais si on veut mettre un 510 au bout, on peut. Et donc fourni pour vous avec un adaptateur 510, donc faut enlever ce drip tip. Alors moi j'ai pas réussi à l'enlever comme sur l'autre où je tapais avec un outil plaqué là-dedans avec une planche. J'ai essayé vite fait, j'ai pas réussi. Donc j'imagine que peut-être sur ma version il est plus serré que sur les versions retail, je ne sais pas. En tout cas vous aurez une petite pièce d'ailerin qui viendra remplacer ce drip tip pour mettre un drip tip de son choix flush avec le top cap. Donc voilà, au niveau des gravures un peu différent, les typos également un peu plus modernes. D'ailleurs, il m'avait demandé mon avis. C'est vrai que les typos du V2 étaient un peu rétro. Bon. De toute façon, le design général de ce Dripper est un peu rétro. Moi, j'aime bien. Mais... Et donc, ils ont changé. Mirage ici, avec une typo un peu spéciale, avec des lettres à moitié. Le A, notamment, coupé à moitié, etc. C'est sympa, gravé au laser. Plutôt propre. On sent rien, ça gratte pas. Ça chope pas le sopalin. Et de l'autre côté, Evo. Voilà, et donc les deux cyclopes, plutôt larges, hein. Des cyclopes qui font combien? 5,65 en gros, hein. Sur 1,5. En vis-à-vis uniquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce top cap? C'est que maintenant, il se dévisse en deux parties avec un filetage juste du beurre. Celui-ci, là, plutôt long. On verra pourquoi. Super filetage, pas de souci. On a cette pièce supplémentaire et nouvelle qu'ils appellent donc la valve, dans laquelle se trouve le dôme. On voit qu'il y a un joli dôme ici. C'est super propre cette pièce-là. Le dessus un peu concave comme ça, légèrement. La grosse nouveauté de ce Dripper, une grosse évolution et une belle réussite à mon sens. Valve qui vient se mettre donc dans le top cap. On voit qu'il y a une petite corniche tout autour, juste sous les cyclopes.
sur laquelle cette valve vient reposer, donc elle descend pas complètement dans le top cap. Donc on voit qu'ici du coup ça forme un top cap dôme, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a un petit jour entre la valve et le baril où on va venir visser son top cap, solidariser le tout. Et en l'occurrence ça bouche les cyclopes. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, pas mal de choses à expliquer dans cette review parce que moi à réception j'ai fait l'erreur. J'ai déjà renseigné plusieurs personnes, que ce soit sur le gros forum, sur le Facebook, sur mon Facebook perso également, de gens. Il manquerait peut-être une notice dans cette boîte pour expliquer le fonctionnement de cette valve, mais on va y revenir un peu plus tard. Ensuite, on a le deck très semblable au précédent, légèrement redesigné. On voit que les négatifs, c'est très joli d'ailleurs, les négatifs qui reviennent ici autour du positif, en symétrie comme ça, c'est assez chouette. Donc c'est un peu différent que sur la V2. On voit que le plot positif est maintenant plaqué or 24 carats, tout ça est en SS304 toujours, donc juste le positif qui est plaqué or jusqu'en bas. On voit ici, on voit que le positif est beaucoup plus clean que celui de mon V2 qui était un peu poncé à l'arrache. Ici c'est propre, on voit toujours un isolateur en pic, ça c'est bien. Le filetage 510 toujours impec. Le O-ring ici toujours pareil. En fait la base c'est la même en gros. Les deux trous d'arrivée d'air Ghost par le dessous toujours ici. Le Juice Well a été légèrement redessiné, je disais d'ailleurs que ça manquait un petit retour ici. Pour moi, on a toujours le petit Juice Well ici, puis ça contourne le plot négatif et ça revient de l'autre côté. Donc c'est pas mal pour placer son coton notamment des deux côtés. Sinon les plots même hauteur, même trou, même grosseur de trou pour les pattes, je sais plus, 2 mm je crois. Donc on voit ici que j'ai déjà mon dual coil, je crois que c'est du 0,50, 6 spires espacés en dual juste au-dessus des deux trous qu'on devine sous les coils. J'aime toujours beaucoup ce deck, je crois que celui-ci est beaucoup plus sexy que le précédent. Il est parfait. On aurait pu aimer un Juice Well un peu plus profond, c'est 2 mm, 2 mm et demi. C'est pas la folie. Mais ça dérange pas. On verra. On va voir ça. Et donc la bague du bas, plus ou moins la même. Je crois que le design ici est légèrement différent au niveau de la rainure. On voit le M de Mirage en opposé symétrique et cette petite bague qui vient se mettre au cul de la base sur le O-ring, parfaitement bien calé. On voit qu'au cul on a le logo AB1, le numéro de série et Mac ici parce que la boîte c'est AB1 Mac. Donc voilà, chose que j'avais, je crois que j'avais abordé mais pas démontré en review sur la V2. Si on veut un tirage encore plus serré, sachant que si on n'utilise que le tirage du dessous, c'est déjà assez serré, mais on peut venir glisser un O-ring comme on peut. Surtout en vidéo, ça va pas être facile. Puisqu'on a deux paires de trous, et on voit qu'il y en a un des deux à chaque fois qui est ici, là. Dans le plot central. Bref, vous aurez compris, vous glissez un O-ring. Pour ceux qui aiment les tirages vraiment serrés pour le coup. Hop. Vous venez rajouter un O-ring ici. Et du coup, ça bouge deux des trous. Qui fait qu'il reste que les trous extérieurs sous les coils. Du coup, l'arrivée d'air est pas pile sous le coil. Enfin, faut peut-être revoir un peu son montage. En tout cas, je voulais montrer ça. Ça pourrait en intéresser certains. Mais la grosse nouveauté de ce Dripper V3 Evo, c'est qu'on peut avoir un tirage plus important que sur le V2, qui était somme toute relativement correct et pas trop serré.
malgré ces deux petits trous par le dessous, mais qui aurait pu être trop serré pour certains. Donc on va voir comment ça marche. Tac. Tac. Alors, cette valve, quand je l'ai reçue, moi, déjà, quand c'est comme ça, la valve, elle n'est pas totalement maintenue. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai commencé à regarder vite fait. Je me suis dit, putain, c'est chiant cette valve qui fait du bruit. Bon, en même temps, comme les boutons qui font du bruit, on va rarement en faisant ça. Mais quand même, après l'avoir nettoyé, la première chose que j'ai faite, je suis allé chercher dans ma boîte à O-ring. Et puis j'ai été trouver un O-ring qui allait pas mal là-dedans. Et puis je revissais et du coup ça bougeait plus, j'étais content. Et puis j'ai fait des essais et puis je me suis dit, mais je suis con, de toute façon moi je vais l'utiliser avec les cyclopes, donc je vais enlever la valve. Je vais donc ouvrir les deux cyclopes pour avoir un tirage de malade. Et je l'ai utilisé la première fois comme ça. C'est-à-dire avec le ghost en bas, plus les deux cyclopes que j'alignais avec mes coils. Et du coup, un gros tirage. Je fais, ouais, c'est super, ils ont quand même enfin mis l'option gros tirage. Si on veut un gros tirage, on enlève la valve. Et puis, après avoir regardé que le top cap sans valve avait pas de dôme, et bon, c'était dommage puisque c'est un atout saveur. Et après avoir étudié ce dôme et cette valve, mais à quoi elle sert du coup? Est-ce qu'elle sert juste avec les ghosts pour avoir un dôme, etc.? Et en fait, pas du tout. La valve doit être mise, quoi qu'il arrive, qu'on utilise les ghosts uniquement ou qu'on veuille utiliser les cyclopes supplémentaires. C'est-à-dire, faut dire que c'est pas évident d'y penser. Hein. C'est-à-dire, comment expliquer ça en vidéo? C'est que ce qu'il faut faire, c'est dévisser légèrement le top cap. C'est-à-dire que si on dévisse un peu comme ça, à l'envers, ça va être pas mal. Plus on dévisse, plus la valve libère. C'est pour ça que le filetage du top cap est relativement long. Libère les cyclopes. Mais quand on ne tire pas sur la taux, les cyclopes sont fermés. Ce qui a plusieurs avantages, notamment d'éviter les leaks. Par contre, quand on aspire, on va essayer de montrer. Allez, dès qu'on aspire, c'est magique, c'est excellent, c'est une grosse trouvaille. Et donc si on ferme un peu moins, si on ouvre un peu moins, on voit, on ouvre un tout petit peu ici. On ouvre un peu plus. On ouvre encore plus. Et on ouvre à fond. Alors vous me direz, c'est ce que je me suis dit aussi d'ailleurs, mais ça crée un gap pas très gracieux au niveau du top cap. C'est pas faux, sauf que le design du coup du baril avec ses fentes est prévu pour que ça soit pas choquant, et franchement c'est pas choquant. Fermé, légèrement ouvert, on s'en fout. Ce que j'ai pu faire aussi, moi j'ai rajouté éventuellement un O-ring pour combler ce gap et pour garder mon réglage. Si je trouve un réglage qui me convient bien au niveau de la valve, je peux mettre un O-ring ici. Genre, j'aime bien ouvrir à moitié les cyclopes. Donc avec ce O-ring, c'est pas mal. Ou pas, hein, c'est pas indispensable, quoi. Mais on peut faire ça. Donc, super nouveauté. Ça a plein d'avantages, ce système, et de qualité. Déjà, donc, ça augmente le tirage. Ça se referme quand on tire pas. Ça évite les leaks. Ça augmente le tirage, je l'ai dit. Quels autres avantages? Oui. Autre avantage, c'est que une fois qu'on a réglé le positionnement de ces cyclopes en face de ces coils, on vient positionner ça une fois pour toutes, on est bien en face à peu près, et on va régler son ouverture d'airflow à la verticale, c'est-à-dire contrairement à beaucoup de drippers où on vient régler à la verticale, pardon. Ici, on va la régler à... tiens, c'est con ce que je dis, à l'horizontale. Ouais, enfin bon, bref. Dans les drippers classiques où on règle son cyclope, faut souvent réaligner le baril puisqu'on ferme un peu le cyclope. Ici, un peu comme sur le Velocity, on ferme le cyclope sur la hauteur, quoi. Donc, on reste toujours aligné. On n'a pas besoin de réaligner son cyclope. Je crois que c'est clair ce que j'ai dit, même si je me suis un petit peu embrouillé.
Et donc, niveau vape, qu'est-ce que ça donne? Bon, on va voir ça. De toute façon, je vais faire un cotonnage, etc. Mais c'est super. Il y a une drôle d'impression au début, mais on s'y fait assez vite. C'est-à-dire que au début de la puff, on a la vapeur qui monte sous le dôme. Et dès qu'on tire suffisamment, il y a le dôme qui monte, se plaquer en haut du top cap. Et ça libère toute la saveur, toute la vapeur dans sa bouche. Et c'est assez excellent, quoi. On voit que le trou au milieu de la valve est un peu plus petit que celui du drip tip. Mais ça ne restreint pas, a priori, pas tellement le tirage. On a quand même, si on ouvre à fond, un tirage de psycho. Enfin, voilà l'idée, quoi. Superbe idée, bravo à Léjo. Ils sont fous, ces Philippins, parfois. Vraiment du bon boulot. On va faire un petit cotonnage, vite fait. Donc mon coil, que voici. Espacé, on est à combien? On est à 0,28. Je vais en profiter pour parler rapidement de ce Kendo coton qui m'a été envoyé par Derek, comme l'inspecteur Derek, avec un C de Malaisie, je crois, qui est un coton japonais, qui a été envoyé un peu sur toute la planète, qui est un coton non blanchi, non traité, coton japonais. 100% organique, non blanchi, un process, je ne sais pas, résistant à la chaleur, sans odeur, ne retient pas trop les goûts, deux fois plus absorbant, deux fois plus long, tient deux fois plus longtemps dans le temps, prêt à utiliser, pas besoin de le faire bouillir, premium quality. Donc il est produit au Japon, il est envoyé en Malaisie, il est testé par des labos malaisiens de top niveau, et il est top top, c'est le meilleur coton de la planète, voilà, hein. Alors c'est une grosse boule comme ça, un peu façon cardée comme ça. Pas super easy à travailler du coup, il est un petit peu fragile aussi. Vous voyez, ça part un peu en quenouille. Mais il est pas mal. Il est pas mal, faut avouer. Il a quelques défauts, mais il est pas mal. Ça va pas révolutionner la vape. Donc on en prend un petit bout. Il n'est pas blanc blanc, il est un petit peu brut comme ça, un petit peu écru. Alors, cotonnage de ce Mirage V3 Evo, un peu particulier. Il est quand même sympa à travailler, même s'il est un peu fragile. Quand on tire dessus, on a tendance. Faut faire gaffe de ne pas le casser, quoi. Thank you, Derek. Dankeschön, Derek. Hop. On va faire ça comme ça. On va recouper un petit peu. Alors, ne coupez pas trop pour l'instant. Tac. On va faire comme ça pour commencer. Qu'est-ce que c'est que cette mise au point de merde? On va faire comme ça. Gros défaut de ce coton, c'est qu'il absorbe supra mal les premières gouttes. Donc pour une vidéo, c'est pas l'idéal, hein. Mais bon, fallait que j'en parle, donc j'en parle. En attendant, on va parler de ce petit jus. Pendant que j'imbibe un petit peu. Il absorbe super mal les premières gouttes. Une fois que c'est fait, il absorbe super bien. C'est juste au début, je ne sais pas pourquoi, c'est juste la mission, quoi. On va parler de ce Bavanuts. 3 mg par Frenchy Fog, première réalisation liquide de Frenchy Fog, reçue hier, dispo depuis aujourd'hui sur son site, pour l'instant uniquement sur son site, et ma foi, grosse réussite à mon goût, à mon sens, je l'ai reçu, enfin je l'ai remonté de la boîte hier en fin de journée, et j'ai déjà vapé plus de la moitié, il m'en reste un tiers. Très 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 bon jus, bravo Mathieu, une espèce de base vanille, custard, alors, crémeux, gourmand, mais pas lourd, avec des noisettes, évidemment, nuts, des amandes. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Un vrai 80-20. Caramel, fleur de sel, noisette, amande, une liqueur d'amande et une pincée de cannelle. Ouais, la cannelle, je la sens pas, et tant mieux parce que la cannelle, ça commence à me gonfler. Mais voilà, cannelle très discrète. Une petite fiole rigolote avec tout ce qui va bien. 20, 80, et on voit que le propylène glycol et la glycérine végétale sont 100% colza, éco-certifiés sans OGM.
une petite grenouille. Voilà, je trouve ça très sympa, n'hésitez pas à le goûter, je le trouve très très bon, dispo qu'en 10 ml pour l'instant. Et uniquement chez lui pour l'instant. Frenchy Fog qu'on connaît pour du matériel jusqu'à maintenant et qui a décidé de faire quelques juices. Et ça, je trouve ça pas mal. Bref, alors le cotonnage. Le coton va quand même être votre réserve de liquide sur ce dripper puisqu'on a un juice well pas terrible. Donc il faut pas le couper trop court. Évidemment, je me fais chier avec ce coton. On va essayer d'accélérer un peu l'absorption en le titillant un petit peu. En le caressant dans le sens du poil. Bon, ça va venir un petit fire vite fait. Hop. Et ben, je vais finir mon bavaneuse avec tout ça. Donc, une fois que on a un petit peu humidifié son coton, on vient déjà passer les gros côtés dans les juice well les plus importants. Ouais, j'aurais pu le laisser un peu plus long là, j'ai été un peu fort au niveau de la coupe. Hop. Et on n'hésite pas à faire une bosse vers le haut. Petit stock de jus ici. Ouais, j'étais un peu timide, j'ai coupé un peu trop là, tant pis. On vient placer ça une première fois. Et alors les retours. Pour les retours, on a donc une petite cuve ici, légère, entre la base, le bord de la base et le plot négatif. On vient stacker dedans, faire un peu le tour du plot, rejoindre le bourrelet de coton de l'autre côté. Le jus est important, il faut vraiment faire ça avec du coton humidifié pour que ça vienne coller, se coller entre eux, pour bien pouvoir travailler ça. Genre comme ça. Ok, les deux côtés. Celui-là est peut-être un peu long. Avec la pointe de ma pince, je viens enfoncer ça. Délicatement, hein, pas enfoncer, stacker. Hein, mais guider, quoi. Puis je viens coller au bourrelet de l'autre côté. Voilà, je veux une espèce de couronne, en tout cas moi c'est comme ça que je le cotonne. Une espèce de couronne comme ça. Mais attention, on va ensuite placer son baril seul, ok, en alignant ses cyclopes. Maintien parfait hein, sur les O-rings, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Une fois qu'on est là, ce qu'on veut faire c'est absolument libérer le petit rebord prévu pour la valve. Mise au point, on va essayer de faire ça en manuel hein, parce que sinon ça va bouger dans tous les sens. Le petit chemin de ronde tout autour dans le baril sur lequel va venir reposer la valve au repos. Il faut vraiment pas qu'il y ait de coton dans cette zone. D'où l'intérêt d'avoir un coton mouillé. J'essaie de libérer autour. Voilà, à ce stade-là, on est pas mal. J'en ai peut-être un peu ici, mais ça peut être du jus. Ce qu'on fait à ce stade-là, on vient mettre sa valve. Et on vient comme ça, éventuellement tourner pour voir si ça se passe bien, si la valve circule, pour libérer également encore un peu plus, éventuellement que le coton épouse le dôme là-dedans. Et puis on est ready. Hein. Donc à la fois, il faut pas mal de coton pour stocker du jus, mais à la fois, il en faut pas trop. Il en faut pas mal en hauteur, j'ai envie de dire, mais pas trop en largeur, que ça déborde pas sur cette petite corniche tout autour. Ok. Ce qui aurait pour effet, si on avait trop, de venir coller la valve et l'empêcher à l'aspiration de monter. Enfin, ça serait moins flou, ça serait moins
Comment dire? Merde, je recherche mon mot. Ce serait moins fluide, quoi. Certains m'ont dit, ouais, mais faut que je tire comme un bourrin pour faire monter la valve. Non, 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 pas du tout. Si le cotonnage est correct, ça monte tout seul. Vous l'avez vu à vide, ça monte tout seul avec une légère aspiration. Et puis donc, voilà. Simple. Donc ici, complètement fermé avec le coton, ça ne fait plus aucun bruit. Ok. Complètement fermé, on a un tirage de Ghost, donc toujours le même, qui passe par ici, par cette fente, par le dessous. Et on a une saveur de fou. À savoir que, après avoir discuté et fait des tests avec Alejo, même si on n'utilise pas les, même si on n'utilise pas les cyclopes, essayez, vous me direz, essayez d'ouvrir ne serait-ce qu'un demi-tour. Ce qui fait que ça libère pas les cyclopes quand on aspire, mais bizarrement, ça change un peu le tirage, ça l'augmente un petit poil et ça améliore nettement les saveurs. Bizarrement, c'est plus sucré, c'est plus concentré. Et il me dirait que ce serait parce que du coup, le dôme est d'un poil plus grand, plus haut, la chambre est un poil plus grosse. Et le rendu est juste excellent. Alors moi, j'aime bien l'ouvrir au moins à moitié. Alors on peut regarder comme ça. Pour faire son réglage à l'envers. Hein. Tac. Et là. Ouh. On a un volume de vape de ouf. Et encore pire si on l'ouvre en grand. Un petit peu bruyant quand c'est ouvert à fond. Ouvert à fond par là. Ouvert à fond, on voit un petit peu, on voit moitié filetage, moitié pas de filetage dans le gap, ok? Et alors là, on a une densité de vape. Incroyable. Les saveurs restent très correctes. Le bruit est un petit peu violent. On entend la valve qui vient monter et se plaquer dans le haut. C'est assez sympa, moi j'aime bien en fait. Au début, c'est un peu perturbant. Mais on s'y fait, on apprécie même. Je vous montre un peu en fonctionnement. Pour dripper, perso, j'évite de... On peut tout à fait, on dévisse tout à l'envers pour que la valve reste là-haut, parce que sinon la valve, ok, elle tombe. Donc je retourne. Hop, je drippe sur mon coton. Tout autour, hop hop hop, pas mal, hein. On peut mettre 20 gouttes facile, hein. Je dirais 10 d'abord, on fait un petit tour pour imbiber, puis redis. Une vingtaine de gouttes à chaque drippage, ça passe tout à fait bien, pas de leak. S'il y a un leak par les trous du dessous, de toute façon, j'avais déjà démontré dans l'autre view que cette bague en dessous fait aussi office de récupérateur de jus, et quand on aspire, ça remonte sous le coil. Donc après drip, on peut avoir un peu de gouglou. Mais après une ou deux lattes, c'est terminé. Excellent dripper. Je l'ai maintenant depuis bien un petit mois. Il me l'avait envoyé vite fait avant le Vape Expo parce que le lancement était au Vape Expo et j'avais pas pu le shooter. Donc il m'avait dit finalement t'inquiète pas, fais le tour, fais une bonne review, je m'en fous de quand ça sort. Savoir qu'il arrive en France, là il y en a 200 qui arrivent en France ces jours-ci. Je crois que c'est arrivé où ça arrive. Ça sera distribué par MyFreeSix chez Xavier et par Arovap sur Facebook. Voilà. Excellent dripper. Mais perso, moi je drippe plutôt par le drip tip. Alors faut bien viser puisque le dôme ici est un peu réduit. Donc je vise au centre, je mets une dizaine de gouttes. Bon là j'en ai déjà assez. Je fais un petit tour comme ça dans mon coton et c'est parti. Super. À noter que on a un petit peu de condense ou de drip si on drip à côté entre le top cap et la valve, mais on s'en tape. C'est un petit peu en descendant là-dedans, donc ça peut retomber ou pas, mais on s'en fout un petit peu. Pas trop de speedback, un petit peu si j'ai overdrip, mais ça passe assez rapidement. Bon là j'ai clairement overdrippé. My bad. Toujours tendance à overdripper perso.
Donc si on a overdrippé, ben, plutôt on ferme la valve, du coup ça peut pas couler par ici. Ok. Une fois qu'on a tiré quelques lattes, un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Combien de tours on peut faire, tiens? Donc si on veut pas les cyclopes, je conseille de faire au moins un demi-tour, si ce n'est un tour. Ce qui ne libère pas l'aspiration ou très peu la valve. Si on fait deux tours, trois tours complets pour ouvrir à fond, on va dire. Vérifions ça parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Si je fais un tour, si je fais deux tours, si je fais trois tours, quatre tours complets pour ouvrir à fond. Et donc perso, j'aime bien. On fait son réglage à l'envers du coup. À moitié, je trouve ça pas mal pour ma vape perso. Voilà, Bavanuts, juste une tuerie dans ce dripper, ça le magnifie, ce dripper magnifie tous les jus, il a un supra rendu. Il est relativement joli, j'aime beaucoup mieux ce drip type redessiné, j'aime mieux ces typos également. Grosse innovation. Excellent. Bref, vous aurez compris, je le conseille clairement. On va repasser en gros plan sur ma face pour une conclusion. Yes les vapers, donc de retour sur ma face pour une petite conclusion sur ce Mirage V3 Evo. Magnifique petit dripper philippin. Congratulations Alejo, you're the dripper killer in the world. Alejo est quelqu'un de très pas sûr de lui, qui demande tout le temps ce que j'en pense plusieurs fois, qui est très inquiet des retours des Vapers, et moi pour l'instant tous les gens à qui je l'ai conseillé ou qui l'ont acheté au Vape Expo ou quoi en sont plus que satisfaits. Donc je l'ai rassuré, mais il a l'air pas sûr de lui. Rassure-toi Alejo. Ici je vais l'ouvrir à fond pour voir un petit peu, je vais monter à 60 watts. Là j'étais à 50 watts, 70 watts. Une vraie grosse densité de vapeur et un rendu. C'est trop 70. Pour moi, 60 c'est bien. En gros. Très très bon. Je trouve qu'avec les gourmands ça passe super bien. On se dit je vape quasiment uniquement du gourmand. Donc voilà, on n'a pas parlé des prix. Je crois qu'il est à 105€ chez MyFreeSig. J'imagine que ce sera pareil chez Our Vape. 105€ la version SS. À noter qu'il y a eu une version limitée, deux versions limitées, une version Gold. C'est-à-dire qu'il est entièrement plaqué or, assez joli. Moi, c'est un peu bling bling pour moi, mais assez joli. À 10€ de plus, je crois, 115€, ouais, c'est ça. Et une version Cerakote noire, très très beau, noir mat, un petit peu, j'ai l'impression, un peu microbillé, enfin un petit peu sablé. C'est pas un Cerakote mat et lisse, c'est un Cerakote qui m'a l'air un petit peu microbillé, ou en tout cas, genre papier de verre, un tout petit poil. Je suis pas sûr, je l'ai pas eu en main, très très beau. 100 pièces du gold, 100 pièces du black. J'espérais qu'il me l'envoie en black, malheureusement. Je l'ai eu en SS, mais ça me va bien aussi. Il m'a envoyé un petit t-shirt également, Mirage RDA, sympa, etc. Qui est trop petit pour moi, comme d'habitude. Hein. Les gens m'envoient du L. Donc ça va pas le faire. Moi, c'est double ou triple XL, si vous voulez savoir. Excellent dripper, à savoir qu'il bosse sur des couleurs un petit peu différentes à sortir dans les mois à venir, et une version Noël un petit peu rouge et vert sapin, une version bleue. J'ai vu des mix également avec le baril noir et les capes SS qui étaient assez jolies. Donc à voir ce qui va sortir le Alejo. Je sais pas si ce sera accessible en spare part, en option, etc. En tout cas, excellent dripper, philippin, sans chichi, le mec pas prétentieux pour deux sous, très sympathique, très abordable. Alejo habite donc aux Philippines du côté de Quezon City, je sais pas si on dit Quezon ou Quezon, Quezon City je pense, pas loin de Manille, la capitale.
Bref, voilà, un de mes drippers qui tourne tous les jours en ce moment, que j'aime énormément et que je vous conseille, les vapeurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On est mercredi, je vais essayer de faire une seconde review avant le week-end. Madame est malade, elle est là toute la semaine, donc là je profite qu'elle allait faire un petit tour chez son docteur pour shooter. Mais vous vous en foutez, je vous dis à bientôt et bonne vape. Ciao, bye bye. Like, not like.